Je me suis chopé ça sans ligne, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? J'adore cette chanson. Il y a tout l'enfant qui reste en chacun d'entre nous qui parle dans cette chanson. Alors, je crois qu'elle nous concerne tous. Moi, j'adore la chanter, j'adore la mélodie, j'adore parce que c'est une valse, un peu lente. Je crois qu'il faut la faire bien légère quand on la fait là. Elle dit déjà, tu vois, c'est une petite jeune fille. 13 ans, je dirais que c'est moi. Chanter Renaud, pour moi, c'est pas seulement un honneur, mais c'est surtout un grand plaisir. Personne n'écrit comme Renaud, personne ne chante comme Renaud. Puis le fait que peut-être il ait traversé de la douleur, je crois que c'est quelqu'un qui transforme la douleur en or. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu sais que c'est pas vrai, je te l'ai dit. Ah ouais, Lolita, elle l'a dit. Elle est rentrée. Elle est rentrée, elle a dit un jour, elle a dit, mais papa, c'est quand qu'on va où?